l'animal national officieux n'est pas originaire de l'archipel. Le buffle domestique est présent sur tout le continent asiatique. Pesant jusqu'à 1,2 tonne en liberté, cet animal est utilisé comme tracteur à quatre pattes dans pratiquement toute l'Asie. Il y en a près de 3,5 millions aux Philippines. Chaque année, au mois de mai, des centaines d'entre eux sont amenés dans la ville de Pulilan. À cette occasion, les buffles doivent être mis sur leur 31. Même leurs cornes sont astiquées. Ces mammifères, qu'on appelle ici carabao, sont venus participer à la fête de Saint Isidore, le saint patron des agriculteurs. Certains d'entre eux ont été dressés depuis toujours pour cette fête. Aujourd'hui, ils vont devoir s'agenouiller devant une statue de Saint Isidore. Des foules de gens sont venues de Manille, la capitale des Philippines, pour assister à la procession. La légende veut que Saint Isidore ait été à ce point bienheureux que des anges venaient l'aider à labourer les champs. Au bout de 2 kilomètres, la procession arrive devant l'église Saint-Isidore. Les fermiers sont venus honorer leur saint patron pour le remercier des récoltes passées et demander sa bénédiction pour celles à venir.